Bonjour Saint-Just, bienvenue pour cette deuxième vidéo, ce mardi 24 mars, cette pensée de la journée. L'histoire se passe ici, en Australie. Ma belle-sœur revient d'un voyage d'affaires il y a 2-3 jours du Canada. Et donc elle doit se placer en quatorzaine selon les recommandations des autorités australiennes. En plaisantant, lorsqu'elle arrive, elle nous dit « Mais vous inquiétez pas, je n'ai pas le virus chinois ». Et mon beau-père, qui entend cela, il dit, mais attendez, c'est ridicule de parler de virus chinois. Ce virus ne connaît pas les frontières, ne connaît pas les races. Il s'adapte aussi bien en Australie qu'en Asie, qu'en Amérique ou en Europe, en France. Pourquoi tu parles comme ça? C'est ridicule. Et ce qui m'a fait penser, alors loin de critiquer dans cette vidéo ma belle-sœur, mais en tout cas de réfléchir sur le fait que l'être humain est très fort pour critiquer, pour rejeter la faute sur l'autre. Et nous tous, chacun, nous sommes très très forts pour rejeter la faute sur quelqu'un. S'il arrive ceci, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du marché de Wuhan, de ces Chinois. C'est la faute de la femme que tu as placée à mes côtés, si on voulait être biblique. Alors, l'apôtre Paul, lorsque nous réfléchissons à ces choses-là, l'apôtre Paul, en Philippiens 2, versets 3 et 4, nous rappelle que nous ne devons rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Autrement dit, les frères et sœurs de l'église de Philippe, il ne sert à rien de vous comparer, il ne sert à rien de vouloir vous rejeter la faute sur les uns ou sur les autres. Non, vous devez avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Considérez plutôt vos intérêts pour les uns et pour les autres, et surtout, soyez comme Jésus-Christ. Imitez-le, lui qui n'a pas considéré la souffrance qu'il aura à subir lorsqu'il fut cloué à la croix pour nos péchés. Alors, ne soyons pas comme cet ami qui était très critique à l'égard eh bien, des Chinois. C'est leur faute, il faut qu'ils payent. Mais plutôt, frères et sœurs, posons la question, est-ce que j'ai déjà prié pour cette population, peut-être, qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que j'ai prié pour mes voisins, mes amis? Est-ce que je critique pour ceux même qui me font du... Je prie, pardon, pour ceux qui me font du mal. Frères et sœurs, je vous proposerai trois sujets de prière. Le premier, eh bien, c'est de prier pour cette France qui a tant besoin du Seigneur Jésus-Christ. Prier pour qu'ils puissent réaliser la présence de Dieu, que la présence de Dieu est un refuge, selon ce que dit le psaume 46 au verset 1er, un refuge et une force dans la tempête. Prions pour que Dieu protège notre pays, nos amis, nos ennemis, notre Église. Selon ce qui est écrit dans le psaume 91, hein, que ceux qui ont la connaissance du nom du Seigneur, eh bien, Dieu s'engage à les protéger. Frères et sœurs, il nous faut témoigner dans ces temps troublés de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis troisièmement, nous pourrions prier pour que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, selon Philippiens 4, 7, eh bien, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas peut-être des critiqueurs, blâmions les uns ou les autres, mais que nous soyons porteurs d'un message de paix et d'espérance, parce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ vit en nous. Je vous dis à demain, les frères et sœurs, à bientôt.